way. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lia ne sait pas forcément pourquoi elle est en train de me rec, mais moi je lui ai simplement dit de me rec et de me faire confiance. Bref, aujourd'hui, Momo devait venir pour qu'on tourne les vidéos des cadeaux des abonnés et des vidéos pour vous. En gros, il avait un petit peu la flemme de venir. Et du coup, en fait, en ayant la flemme, il manque de respect non seulement aux abonnés qui m'ont offert ces cadeaux et qu'on devait faire en vidéo ensemble, mais en plus, il vous manque de respect à vous aussi et à moi aussi parce qu'on avait prévu encore une fois de plus des vidéos ensemble. Quand tu prévois une vidéo avec quelqu'un, c'est une vidéo avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez être deux à la faire et c'est une vidéo programmée pour être fait à deux et pas pour être fait seul. J'ai juste une chose à dire, bougez pas. Non, Adèle, c'est pas ce que je pense. De quoi ? Tu vas pas encore faire de la merde sur sa console ? Je t'ai entendu, hein. Voilà. Quoi que ça sert à rien de faire ça avec la manette ? La manette, ça sert à rien, parce que j'en aurais besoin. Voilà. Sa console de merde. Non, alors, bien sûr, je déconne, la console est complètement morte, elle marche plus, hein. Voilà, c'était une petite blague. Lâche un like si tu as cru, hein, ça fait plaisir. Attends. Oh merde, attends, j'ai flippé. Quoi? Ouah, non, les non, mais je te voyais plus là. Ouais, j'avais flippé. Laisse tomber, je rigole. Non, plus sérieusement, les frérots, on a essayé de laisser tourner la console aujourd'hui encore. Et en fait, la console, bah, elle marche carrément plus. En fait, elle est en train de ramer et tout. J'aurais jamais jeté une console par terre, d'accord? Voilà, je tiens juste à vous le dire. Petit problème, on doit aller chercher le colis demain, du coup, de la Play de Momo. Pourquoi, en fait, Lia, tu peux leur expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, on a dû reprogrammer une livraison et du coup, il arrive chez nous demain. Voilà. Donc, sachez-le, pour vous, il y aura normalement une PlayStation 4 Pro à gagner. Et pour Momo, il y aura une Slim qui va avoir. Celle-là, elle est complètement morte. Je pense qu'en fait, en essayant de la faire chauffer, justement, parce qu'en fait, il y avait de l'eau à l'intérieur. En essayant de la faire chauffer, bah, en fait, ça a fait de pire en pire. C'est-à-dire que maintenant, bah, quand tu tournais le joystick... Ça tournait pas. Ça tournait, mais genre 40 secondes plus tard. Donc là, elle est carrément morte, la console. Elle est finie, je pense. Ça me fait chier quand même d'avoir fait ça dans un prank. Ça, c'est la merde parce que avant, pour avoir une console, moi, je devais ramer. Hein, voilà, ça me fait beaucoup chier de l'avoir cassé. Bah, j'en suis désolé. Que ce prank, l'autre prank est mal tourné. Bon, là, elle est morte la console, hein, je vous le dis. Hein. Les trucs USB ne marchent plus. Les manettes ne se détectent plus. Je sais pas si vous êtes au courant, on a essayé de les reprogrammer. Les manettes ne se détectent plus. Les manettes par USB ne se détectent plus. La console est complètement morte en fait. Et j'ai réussi forcément en fait à la faire marcher avec une chose. C'est un abonné qui m'avait donné une chose, c'est de la reprogrammer à chaque fois. Donc j'ai réussi à reprogrammer plusieurs fois une manette. Et elle a marché pendant quelques bonnes petites minutes, la manette en fait. Et si vous voulez, je tournais en fait. Et en tournant, genre. Tu devais attendre des secondes et des secondes et des secondes avant qu'elle tourne. Et en fait, quand j'allais sur un jeu vidéo, alors là, c'était pire. En fait, j'ai l'impression que le jeu demande beaucoup plus de puissance à la console, donc la faisait beaucoup plus ramer. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que Momo regardera cette vidéo. Non, normalement, plus sérieusement, il va venir tout à l'heure. Hein. C'était une blague, le début et tout. C'était juste pour vous dites, mais putain, qu'est-ce qu'il va faire. Non, vous inquiétez pas. Non, je l'ai bien jeté par terre, vous avez vu. Mais bon, hein, elle est morte, la console. Et Momo va nous rejoindre tout à l'heure pour qu'on vous tourne les vidéos. Les vidéos où on va ouvrir donc les pop et tout. Vous inquiétez pas, les frères et sœurs. Je faisais partie de ces gens-là qui avaient du mal à avoir une console et qui devaient même peut-être attendre des fois un an pour en avoir une. Et des fois, bah, j'avais des consoles en retard. Hein, avec un an de retard, deux ans de retard. J'en fais partie, ne vous inquiétez pas. Des fois, j'avais même des choses que je voulais et que je n'avais pas. Parce que voilà, mes parents n'avait pas forcément les moyens. Alors ne vous inquiétez pas, si je jette un truc ou que j'abîme un truc, c'est que il est mort quoi, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Bref, je vous dis juste, prenez soin de vous et de la Mifa. Ça me fait chier quand même d'avoir cassé une console pour un prank. Bon, c'était pas du tout le but, hein. Le but c'était juste qu'elle touche en fait la console, l'eau touche la console juste en bas. Mais en fait, en bas normalement il n'y avait pas de trou. Sauf que là, vu que Momo a pété un endroit et qu'il y avait un trou en fait ici, l'eau s'est introduite par là et rentrée dans la play par là. Moi mon but c'était vraiment qu'elle arrive là. Tu vois, vraiment qu'elle touche un peu la play et qu'on arrête le prank, tu vois. Mais bon, disons-le. Bref, ça a mal tourné, quoi. Hein, je vous dis juste, prenez soin de vous et de la Mifa. A très très bientôt, c'était GameX13. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve ce soir pour un live. Donc restez bien connectés à la chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, elle est morte la console, d'accord. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos.
Ciao. I told you, take my hand through the flame.